Eh bien salut tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite et donc l'épisode 8 de No Man's Sky. Je parle de l'aventure spatiale, entre guillemets aventure, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas vraiment d'objectif, donc c'est vrai que sans objectif, il n'y a pas vraiment d'aventure. Alors oui, il y a un objectif au final, j'ai été mauvaise foi bien évidemment. Quand je parle d'objectif, je parle bien évidemment de... comment on peut appeler ça? C'est pas d'aller au centre de l'univers, voilà, parce qu'il se cache une petite surprise, bien évidemment. Mais pour moi, ça reste quand même un jeu sans objectif où tu joues sans prise de tête, sans voilà, sans te faire chier et sans faire chier les autres. Donc, je suis à la recherche, souvenez-vous de. Non pas de plutonium, ça c'est intéressant, je prends quand même. Je suis à la recherche de carbone. Et trouver du carbone, ça n'a pas l'air évident. Alors, si, ça a l'air évident, parce que, à mon avis, il y en a un petit peu partout. Mais dans mon cas... Oh, mon système de survie qui va bientôt décéder. Alors, attendez, bougez pas. Bougez pas, on va le recharger très très vite. Voilà, c'est fait. Donc, je suis à la recherche de carbone pour pouvoir créer de l'antimatière. C'est un de mes objectifs dans ce système solaire. Et ensuite, dès qu'on a réussi l'objectif, on file directement... dans un autre système solaire, tout simplement. Il n'y a rien d'intéressant. Il n'y a rien d'... Oh, il y a quelque chose. Il y a une pierre de savoir là-haut. Il y a une pierre de savoir et je veux savoir au bout de maintenant 12 ou 13 jours, je me suis enfin décidé à prendre du sirop pour la gorge. Voilà, j'avais pas mal, mais je me disais, je faisais un peu le fifou. Je vous avoue, j'avais un petit peu mon âme de jeune qui disait, B-Boy, tu soigneras tout seul, ne t'en fais pas, ne t'inquiète de rien. Et au final, bah, je commençais à avoir quand même des petits toux, mais pas de mal, hein, pas de mal. Donc, petit tout désagréable qui fait que quand je vais trop dans les aigus ou que je rigole, bref, ça fait 3 vidéos et ça fait 2 semaines, je vais pas vous en parler, mais j'ai décidé de me soigner et ça c'est incroyable. Du carbone, c'est exactement ce que je recherche. Allez, on est parti les gars, dans le vaisseau, on décolle et direction le dépôt je pense, non? On avait vu un petit dépôt sympa là, attendez, bougez pas. Il y avait une pierre de savoir et j'aimerais savoir où elle est. Savoir où elle est, savoir où elle se cache. Il faut que je recharge. Oh non, mais c'est terrible là. Attendez, bougez pas. Bougez pas, faut que je recharge le scanner. Ça, c'est chiant ça. Mais non. Ah non, c'est qu'il était en train de recharger calmement. Très bien. Ok, donc là, il y a deux dépôts, les gars. Il y a deux dépôts qui ont l'air l'un à côté de l'autre. On va aller sur un des dépôts et on va quitter cette planète pour aller chercher du cuivre. Je sais où en trouver. Quelqu'un m'a mis un commentaire très 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 constructif que j'ai lu en 4 ou 5 points qui me dit où trouver du cuivre et tout, plein de petits trucs sympas, donc merci à vous, je lis tous les commentaires. J'ai pas noté le pseudo, j'en suis vraiment désolé, mais tu te reconnaîtras de toute façon, tous ceux qui m'aident se reconnaîtront et tous ceux qui ne m'aident pas mais qui discutent dans les commentaires de toute façon se reconnaîtront parce que c'est vous. Oh là, ça m'a l'air beaucoup plus grand là-haut. Alors attendez, il y a quelque chose ici mais il y a aussi quelque chose là-haut. Je pense qu'on va partir là, ça m'a l'air beaucoup mieux ça. Oh. Ça m'a l'air très sympa, ça. Ok. On y va. J'ai donc décidé d'atterrir ici. Oh, qu'est-ce que c'est? Il y a quelque chose. Alors, bougez pas. Il a... Oh, c'est quoi cette tête? Oh, damn, Daniel. Mais quelle est cette tête dégueulasse? Mais que tu es laid. Que tu es laid. Alors, on m'a aussi appris que je pouvais nourrir des animaux. Et que quand je les nourrissais, ils me donnaient des trucs très très rares. Ça, c'est quand même relativement fou. On va voir si on peut les nourrir, ceux-là. Les Yumi Teku, Podé, Tiruk, mes couilles, là. Vas-y, frérot. On peut vous nourrir ou pas? M'attaquez pas, hein. Tout va bien. Tu me donnes quoi? Attends, vas-y, donne-moi. Je sais pas ce qu'il me donne. Toi, tu vas mourir, bien évidemment, tu vas décéder. N'essaye pas de protéger ton ami, je rigole, cousin! Ouah, tranquille. Je rigole, cousin! Dégage! Boum, mon pote! Et ouais, je rigole pas, moi, ma gueule. Je ne sais pas, je ne saurais sans doute jamais ce que tu m'as donné, putain de merde. Pourquoi? Parce que je t'ai tué sans aucun putain de respect. J'ai plus du tout le bouclier, hein. Autant dire qu'il m'a mis super mal, celui-là. Ok, c'est pas grave. On va récupérer de la santé ailleurs. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Oh, bah, des mignons. Frérot, ça lag. Attends. Qu'est-ce que c'est? Une petite crotte? Une crotte sur pied, avec une tête de fleur. Ok. Viens, frérot. Je peux te nourrir, moi. Je peux te nourrir! Viens! Tu veux quoi? Attends, tu veux quoi? Tu veux quoi? Nourrir de l'iridium. Gros, tu bouges pas, je vais à mon vaisseau. Sur la tête de moi, tu bouges pas, frère. Ok, je vais prendre l'iridium. Vite, 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 dépêche-toi. Allez, oh, c'est relou, ça. Oh, c'est relou, faut avoir les ressources sur soi. On va réussir à nourrir peut-être pour la toute première fois dans le monde. Reviens par là. T'étais où, salopard? T'étais où, ma gueule?
Ça, c'est du zinc. T'étais là. Viens par là, viens par là. Tout va bien. Tiens, tiens, tiens. Yes. Attends, il est heureux. Mais par contre, le problème, c'est qu'il est heureux. Inventaire plein. Non. J'ai fait de toi un homme heureux. Mais par contre, mon inventaire était plein. Mais fallait que je m'en doute. Putain, mais ça casse les couilles, hein. Y a, tu peux rien faire, en fait. C'est relou, là, hein. Ok, exécombinaison, on en a rien à foutre. Titanium, voilà, on va tout transférer. Putain, c'est tellement lourd quand l'inventaire est plein, ça, j'en ai rien à foutre, je le détruis. Merde. Le plan a échoué. Frérot, redonne-moi, s'il te plaît. Redonne-moi tout de suite. Redonne-moi tout de suite. Ah ouais, putain. Ah bah tiens, il me l'a redonné en plus. Excellent. Ok, un peu déçu. C'est rien, j'ai rien fait, les gars. J'ai rien fait, c'est pas moi. Mon Dieu, c'est mort. C'est pas moi. Pas moi. Il y a des étoiles comme GTA, ce serait énorme. Ok les gars, on va dans l'entrepôt parce qu'au final on a perdu quand même relativement suffisamment de temps, j'ai envie de vous dire. Donc direction les entrepôts, on va tout fouiller. Salut les gars, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Je recharge, très bien. C'est... Ah, c'est tombé. D'accord, là il n'y a rien. Il n'y a rien. Activer, ok, ouvrir la carte galactique. On s'en fout de la carte galactique, gros. Tu vois pas que je suis pas dans la galaxie? Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Frérot. Une puce de piratage, il me semble... Ah non, c'est un scanner de signaux, ça c'est intéressant. On va faire tout de suite une puce de piratage, ne bougez pas. Voilà, hop, on est large pour la faire. Vas-y frérot, scanne-moi tout ça, éclaircis-moi, fais-moi rêver. C'est quoi que j'avais trouvé d'intéressant? C'était pas un monolithe, c'était un avant-poste colonial, me semble-t-il. Un avant-poste colonial. Allez, vas-y, scanne-moi ça frérot. Je crois que c'était ça qui était assez important. Et je confirme, il y a un avant-poste colonial là-haut. Dis-moi pas que c'est celui d'où je viens. Je crois que c'est celui d'où je viens. Je crois que c'est une arnaque que j'ai subie là. Putain. Ok, c'est pas grave. Ici, on va rentrer. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, d'accord. On balance de la thune, on balance des lovés. Ça m'intéresse, les gars. Ok, c'est pas mal aussi. Un petit plan, c'est sympa. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste ici où j'ai toujours pas visité. Ça m'a l'air. Tiens, du carbone. Dis-moi que c'est du carbone, frérot. Un petit peu de carbone. Rien n'a été trouvé, un plaisir. Bougez pas, il faut toujours que je crée mon antimatière. Ça, ça devient relou. Donc comment on va faire? Non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. C'est comme ça. Il faut que je fasse ceci. Il me reste encore un... Il me manque un tout petit peu de carbone. Faites un effort. Bonjour messieurs. Tiens, du carbone. Ça, c'est du carbone, ça. Voilà, je connais bien. Je connais bien toutes ces plantes-là. J'en ai à la maison. Hop, ça, c'est du carbone aussi. Ok, j'ai de quoi faire mon antimatière. On est bon. Yes, ricochet stigma. Ben voilà, c'était ça que j'avais, c'est pour ça que ça ricochait. C'est un dispositif, qu'est-ce que c'est? Votre protection augmente, on apprécie. Et qu'est-ce que c'est que ça? Une balise envoyée il y a bien longtemps depuis un système lointain attend ma réponse. Les nombres sont visibles au-dessus d'un boîtier de saisie vide. Je crois que je sais quoi faire. Je l'avais pas vu ça. Attendez, bougez pas. Au-dessus d'un boîtier, c'était le boîtier à l'entrée, là, non? C'était ça, non? On s'est foutu de ma gueule. C'était ça qui était vide. Attendez. Non. Non. J'essaye des trucs, les gars. Ok, très bien. Donc, c'était ça, mais je ne vois toujours pas. Donc, on va réessayer. Je suppose que... Bougez pas. Ok, balise mes couilles. D'accord. Soit on réessaye le même chiffre, soit on en essaye un nouveau. On va réessayer celui-là. C'est pas ça, hein. La balise ne répond pas. Ça, c'est terrible. C'était pas ça. C'était pas ça. On peut pas réessayer? On peut vraiment pas réessayer? Tu foutrais pas un petit peu de ma gueule? C'est pas grave. On se tire, les mecs. On se casse. On va aller au gros centre d'observation. Ah, ça, c'est mon vaisseau, ça. On va au centre d'observation. Carburant insuffisant. Alors, c'est intéressant parce que je devais le recharger, donc là n'est pas le problème. Boum, du plutonium. Et je peux aussi me créer, bougez pas, mon antimatière. Voilà, donc il me faut ça. C'est fait. Ensuite, grâce à ça, je peux créer ceci. C'est fait. Et grâce à ça, on peut bien évidemment créer ceci. Donc, zinc, iridium, tout ça, c'est clairement pas négligé. Il m'en reste beaucoup ou pas? Il me reste très peu de zinc. Il me reste très peu de zinc. Et bougez pas, j'en avais vu un petit peu à côté. On va ramasser. Bon bah, il est temps que j'ai vraiment un nouveau vaisseau, les mecs. Et que j'investisse un peu là, que j'arrête de faire mon rat mort.
Parce que, tiens, il me faut du fer aussi. Merde, RT6, c'est pas la bonne touche. Il me faut du fer, il me faut du zinc, il me faut pas mal de petites choses. Allez, bon, ça c'est fait. Carbone ! Parfait ! On va prendre... Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça m'a l'air intéressant, tout ça. Bougez pas. On va prendre tout le fer au cas où. Toujours avoir un petit stack de fer, vu que j'en ai utilisé pas mal. Boum, pile poil. Ça, c'est du carbone. Ça, c'est du carbone. Mais en fait, il y en avait partout, mais oui, tout ce qui est végétation, c'est des carbones. Non ! Je rigole, cousin ! Bon, je vois que tu me forces. Voilà, ça dégage, ça rentre à la maison. Alors, carbone, j'ai envie de vous dire, carbone, c'est fait. Fer, c'est fait. Plutonium, on en voit. 13 000 unités, ça m'a l'air intéressant. Du gaz inhalé par les guerriers de mes couilles. Ok. Les gars, fer, carbone, on est super, super bien. Il me faut du zinc un petit peu et du plutonium, mais ça, on en trouvera dans l'espace. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je te détruis, moi, il n'y a aucun problème. Allez hop, un chargeur, du titanium. Ah, c'est toi qui donnes du titanium. Ça, c'est intéressant, ça. On peut décoller, on peut décoller, on retourne. On va... Ah, faut quand même essayer... bougez pas. J'avais dit, faut quand même essayer d'aller ici, au centre d'opération. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est intéressant. Je peux le casser? Ah ouais, mais là, les mecs, là, je suis un petit peu obligé de m'arrêter. Je suis un petit peu obligé de m'arrêter. Là, on va avoir un problème. J'ai mon antimatière, j'ai ça, ça vaut 13 000 unités. Vous savez quoi? Bas les couilles. Chrysonite, j'en ai beaucoup trop. Donc, c'est pas intéressant. Ça, perle de fascination, j'en ai déjà une. Je la revendrai plus tard. Oh, oh putain. Génie que je suis. Pierre de savoir, vas-y frérot, dis-moi tout. J'ai appris le mot opportun en week-end. D'accord, encore une nouvelle langue. Ah bah oui, forcément. Donc il y a une langue différente par système solaire. Là, on est vraiment pas bien, les gars. Alors, qu'est-ce qu'on a? De l'émeril, toujours. La classique émeril. Oh, on n'est pas bien. On n'est pas bien pour farmer tout ça, les mecs. Putain. Ah, mais là, vous me forcez à rester, là. Vous me forcez à tout revendre, les mecs. Ah, ça, c'est terrible. C'est terrible. Bon, je vais me faire 3 stacks encore, encore et encore. C'est rien, frérot. Analyse-moi. Voilà, tout va bien. Mince, bah écoutez, on va prendre l'émeril, on va au centre d'opération, on va revendre l'émeril qu'on aura pris. On se sera fait en termes de thunes, on aura presque le million. Eh, ça va, tu vas pas me... Eh, gros, c'est bon, je suis là. Putain, sérieux, quoi. Par toi. 8 ans pour me scanner. En plus, tu te bouffes un rocher, bolos. Voilà, vas-y, on prend. On prend, il m'a scanné. Y a plus rien à prouver. Eh bien, messieurs, on est parti, regardez. Bon, ça, c'est des restes de vestiges, hein, bien évidemment, qu'on a laissé derrière nous. J'ai eu tout ce qu'il fallait avoir au sujet de l'émeril. Enfin, j'ai pas fait toute la colonne parce que c'est vraiment long. Mais j'ai bien 3-4 stacks. C'est suffisant, c'est suffisant. Je dois avoir 200K, voilà, 200 000. De quoi s'acheter une petite maison en France, en campagne. Voilà, hein, c'est ou alors un appart de 25 mètres carrés à Paris. Mais peu importe, quoi qu'il arrive, j'ai 200K. Et c'est plutôt pas mal au final. Et un vaisseau, c'est pas si cher. Hein. Imagine de nos jours, on te dit un vaisseau, c'est combien? Un vaisseau, c'est 1 500 000. T'imagines? Ça serait rien, ça voudrait dire que tu pourrais voir Justin Bieber chanter dans l'espace. Ce qui n'aurait aucune utilité, parce qu'au final, on s'en bat totalement les couilles. Je vous l'accorde, mais bon, quand même, ça a sa petite importance. Ok, je remets tout dans le vaisseau, bougez pas, voilà, parce que c'est pas très intéressant, étant donné que là, on est sur un centre d'opération, et donc forcément quelque chose à casser. Alors, on est parti, petite astuce, c'est cadeau, on bombarde de greux, voilà, on n'en parle plus. On recharge par la même occasion, voilà, encore 2-3 greux, allez, on rentre là-dedans. Voilà, comme ça les fantômes nous arrêtent de nous tirer dessus. Enfin, les fantômes, la police de nuit. Et qu'est-ce que c'est? Mais passe Atlas, j'ai toujours pas de passe Atlas, mais c'est terrible. Hein. C'est terrible de traverser tout ce système solaire pour ne pas avoir de passe Atlas. Ah tiens, qu'est-ce que ça peut? Ça peut être intéressant. C'est de la merde. Concentrateur de rayon, quoique traitement plus rapide de données, ça reste intéressant. Ok, c'est plutôt intéressant, on prend tout le carbone. Pourquoi? Bah, parce que c'est cool. Et on va parler à cette boule. Vas-y, dis-moi tout, frérot. Centre d'opération. L'alerte a brouillé les informations affichées sur le terminal principal. Je ne peux distinguer que quelques mots. Si je parviens à comprendre la tâche en cours ici, je pourrais relancer le flux opérationnel. Ouais. Bon, bah là, c'est du pur hasard, étant donné que j'ai traduit 0 mot à peu près. Donc, capsule de sauvetage. Allez, vas-y, c'est parti, frérot. Je ne parviens pas à accéder au flux. L'installation reste désactivée. Bah, ça, c'est terrible. Ok, tu m'en diras tant. Bon, on peut pas avoir de la chance à tous les coups, malheureusement. Sur le coup, vous l'aurez compris, j'ai totalement foiré. Me tirez pas dessus, les gars, c'est rien. Il se passe rien.
Ok, il est temps d'aller revendre tout ce qu'il faut. Il est temps d'aller revendre tout ce qu'il faut. C'est dommage. C'est dommage, on aurait peut-être pu avoir un truc de fou. Qu'est-ce que c'est que ça? Appeler le vaisseau. Ouais, d'accord. En plus, je me suis posé pile poil dessus, donc ça ne sert strictement à rien. Très bien. Il reste quelque chose là-haut. Oh là là, mais il y a trop de choses à visiter. C'est terrible. Il y en a un juste en bas. Mais attends, on peut atterrir juste au-dessus, d'accord. J'aimerais un grand, non, c'est pas assez grand. Allez, on se casse, on va aller dans le marché intergalactique de mes couilles, là. Rien d'intéressant, enfin, il y a des choses intéressantes sur cette planète, mais moi, ça ne m'intéresse pas, les amis, ça ne m'intéresse pas tout ce charabia, toute cette confusion, bien évidemment. J'accélère, là, je suis à fond ou pas, là, parce que... Ah, voilà, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus plaisant. D'accord, bon, c'est ça que j'aimerais attaquer. La flotte, on va faire ça dans une ou deux vidéos. Ne paniquez pas. Il y a des vaisseaux ici. On m'a dit que je pourrais trouver du cuivre sur les gros... Qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est un centre d'opération, on a déjà fait. On a déjà fait. Pas mon objectif. Mais ils me disent quand même d'y aller, mais c'est terrible. Ils me disent quand même d'y aller, c'est chiant ça, putain. Je l'ai fait, j'ai foiré les gars. J'ai foiré. Bon. J'ai fabriqué mon antimatière, là n'est pas le problème. Cellule de distorsion, on s'en fout. Pulso-réacteur, on s'en fout. Hein, bien évidemment, on s'en fout de tout à l'heure actuelle. On va, les trucs de décalage. C'est ça l'hyperpropulsion? Une cellule de distorsion, mais j'ai créé mon antimatière. Je peux donc créer ma cellule de distorsion, c'est incroyable. Il est où? Cellule de distorsion. C'est ça? Il me faut de l'antimatière, il me faut du tamium. Et je n'ai plus de tamium, n'est-ce pas? D'accord. Ok, vous savez quoi? Je vois que vous paniquez. Eh ben, vous savez quoi? Je vous le dis, ne paniquez pas. Le tanium, c'est juste ceci. Aucun putain de problème. Aucun putain de problème. Donc, voilà ce qu'on va faire. On va aller au marché. On va aller au marché qui est quand même à... À 7 secondes. 6 secondes. Oh, c'est très rapide. Qu'est-ce qui s'est passé pendant un moment? Je crois que j'ai été manipulé. Allez, boum! On va direct dans le marché. Oh, c'est sympa, ça. Et sympa ce petit truc. On va aller dans la station spatiale, on va tout revendre. Bougez pas, je vais aussi me reprendre tout mon émeril. Voilà, mon antimatière, on peut la switcher parce que je vais pas le revendre de si tôt. Et on est bon là, on est très très bon là les gars. On est très très bon, je reprends encore un petit peu d'émeril. Est-ce que vous reprendriez un peu d'émeril? Oui, c'est pas terminé, je vais prendre ceci aussi pour vendre mes couilles de fascination là. Et on est parti, ok, dégagez les gars. Putain, c'est mon vaisseau qui me bloque, qu'est-ce qui se passe? On va revendre tout cela, on va retourner au truc où ils me disent à tout prix d'y aller, c'est que ça doit être important. Qu'est-ce que c'est? Ça doit être la recette de l'antimatière, mais je l'ai déjà, c'est très bizarre. Oh, il y a un bar. Ben gros, une petite pression, mais tu me la sers évidemment sans pression. Je peux pas interagir, bah oui, effectivement. Pourquoi? Mon inventaire est totalement plein. Vas-y frérot. Allez, bienvenue dans le marché galactique, vendre des articles bien évidemment. Donc, je vends tout ceci. D'accord, l'émeril vaut beaucoup trop cher. Ça part très vite. Ok, ah mais ça... Mais attends, mais la chrysonite, ça vaut la peau du cul? Non? 21 000 enfin, peut-être pas autant que ça au final. Peut-être était mon petit côté un petit peu australien là. Ok, on va ramasser le carbone. Frérot, dis-moi tout. Bon! C'est encore une langue que je ne connais pas, estime actuelle. Ah, opportun. Important. D'accord. Les narines du guerrier frémissent à mon approche. Il va se calmer, il va resserrer les narines. Il inspire profondément et aboie, ce qui pourrait être un avertissement. Je me dépêche de mimer. Ok, tiens, du carbone, frérot, ça te fera du bien pour respirer. Le guerrier m'offre un plan technologie et m'enchaîne quelques mots de la langue. Mais non. Le mot visuel. Et un bouclier, Stigma. Mais c'est incroyable. On l'a régalé, le frérot. Dispositif. Bouclier au max. C'est pas mal. C'est pas mal. Et là, je suppose qu'il va me falloir un pass. Et oui, pass Atlas V3. Toujours, toujours dans l'extrême, les mecs. Un plaisir. Et là, pass Atlas combien? V5, V6. Vas-y, frérot. Porte verrouillée. Pass Atlas V3. Allez, bougez de là. Ok, capitaliste. C'est fait, les mecs. Embrouillez-moi, prix 15. C'est pas mal, les gars. Bon, pas de quoi faire un alphabet. Oh, il y a pas mal de vaisseaux, là. Alors, dis-moi tout, toi. Dis-moi tout, est-ce que t'es intéressant? Non, t'es dégueulasse. T'es dégueulasse, mais moi, c'est ton vaisseau que j'aimerais. Ah, opportun, encore une fois. Faire une offre. On va voir. Oh la vache! Damn, Daniel! C'est un truc de ouf! Les gars! C'est quoi ce truc de ouf? Ok. J'ai pas assez. J'ai pas assez, mais regardez le nombre de places, sérieux! Bon, allez, on se casse. Ça va me dégoûter, ces conneries. On se casse, j'ai pas de thunes. Oh là, oh là, oh là!
j'arrête pas, ça atterrit pas devant moi, ça peut partir en couille très très vite. J'ai pas de thunes, donc ils me disent d'aller, hop, non pas ici, ils me disent d'aller là-haut, mais qu'est-ce que c'est? Vous avez découvert ceci, mais c'est déjà découvert mon ami. Ça disparaît du radar, c'est très chelou hein. C'est peut-être lui qu'il faut que je tabasse, le vaisseau. Alors attendez, bougez pas. Bougez pas, j'avais 2-3 trucs à faire. C'est créer bien évidemment ma cellule de distorsion. Qu'est-ce qu'il me faut maintenant? Ah oui, il me faut du tanium, et le tanium c'est les sortes de météorites. Bon, on va se rapprocher du signe. Calmement. Voilà, on va rester Ah c'est bon, on se rapproche des météorites. C'est tout ce qu'il me fallait pour du tanium. Putain, toujours... Attendez, bougez pas. Voilà. On m'a dit que c'était les grosses météorites qui ressemblaient à des pommes de terre qui pouvaient me donner du cuivre. Peut-être ça, n'est-ce pas? Du tamium. Signal de détresse local envoyé. Oh, putain! Où ça? C'est la première fois. Attention, vaisseau ennemi en approche. Pardon? Ok, on y va, les gars. On y va. Moi, je tabasse dans le couscous, moi. Ah, c'est eux! C'est eux, les méchants brigands! Les méchants brigands, ça, je suis tellement content. Calme-toi, frérot, calme-toi. Ici, nous, on est la police de l'espace. Putain, je suis en surchauffe de quoi, cousin? Ah, je suis perdu. C'est une guerre, c'est une guerre. Oh putain, mais c'est une guerre interstellaire, là. Que se passe-t-il? Oh, mais il est ouf, ton truc. Allez, toi, t'es presque mort. Bouclier désactivé. Bouclier de qui? Bouclier de moi? Allez, boum! Et ouais, tu fais moi le malin, cowboy. Ok, on est parti, il y en a un deuxième. Moi, j'arrache tout, moi. J'arrache tout, moi, ma gueule. Vas-y, viens. Dégâts critiques subis. Mais non. Allez. 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 Dégâts critiques encore. C'est peut-être lui ou moi. C'est peut-être lui ou moi. Tout se joue ici, les gars. Boum! C'est bon! Qu'est-ce qui se passe? Va falloir me piper, les mecs, hein, parce que je suis pas bien, là. L'estime que porte la race. C'est tout? C'est nul? Mais je m'en bats les couilles de votre estime. Ok, bon, bah, c'est pas grave. On va recharger le bouclier. C'est nul! Les gars, votre estime, je m'en tamponne la ciboulette! Je peux rentrer là-dedans? Je peux rentrer ou pas? Attendez, bougez pas, on va tester quelque chose. Ça va partir en couille. Je sens que je ne peux pas. Je suis bloqué, manipulé. Ok, j'ai sauvé des frérots, c'est comme ça que ça régale. Super en tout cas, hein. Un véritable plaisir. Donc comme je vous disais, je voulais des météorites pour avoir suffisamment de tamium pour me faire un putain d'antimatière. Un peu déçu, hein. Vraiment, même beaucoup déçu, hein. Soyons honnêtes. Voilà, vas-y, file-moi le tamium. Ok. Donc là, je peux créer normalement ce qu'on appelle la cellule, bien évidemment, de distorsion. Et c'est fait! C'est un objectif d'accompli, ça, les mecs! Non? Vous en pensez quoi? Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire de mouvementé, là? Qu'est-ce qu'on peut faire d'acidulé? Je peux changer de système solaire, c'est tout. C'est incroyable. Je peux changer... Ah putain, on m'a dit que c'est ça. Ça ressemble à des patates. Il y a peut-être un peu de cuivre. Non, on m'a dit c'est encore plus gros, d'accord. Bon, on m'a dit des astéroïdes, mais c'est vrai que comète astéroïde... Je suppose que l'astéroïde, c'est clairement plus gros. Sinon, les dinosaures n'auraient pas disparu, n'est-ce pas? Ok. Ok, en tout cas, super... Ah, ça, c'est énorme, ça, non? Non, toujours pas encore assez gros. RT6, c'est triste. Écoutez, voilà ce qu'on va faire. On va changer encore de système solaire. On va encore changer, c'est gratuit, ça mange pas de pain. On va faire un déplacement rapide. Allez, calcul de distorsion activé. C'est parti, on change de système solaire. Celui-là n'est pas intéressant, n'est-il pas? On aura fait en 2 épisodes 2 changements. C'est plutôt incroyable. On se rapproche peu à peu du centre. On va y arriver au centre, les gars. Je ne sais pas ce qui m'attend, mais on va y arriver, les gars. Ne paniquez pas. Donc, c'est parti. Je me demande de quelle couleur sera ce système solaire. Peut-être vert. J'aimerais bien vert. Voilà, j'ai envie d'un peu de vert. Un peu de gaieté dans ma vie, s'il vous plaît. On y est. Eh, hey, c'est rose. C'est rose. Très bien. Galaxie Euclide. Jure, je suis revenu en arrière. Parce que là, je vais péter un câble, je vais tout brûler. Je vais tout brûler dans cette galaxie, les gars. Étape de voyage atteinte. Non, je ne pense pas, finalement. Non découvert. Ranger. Distorsion 3. Je n'ai rien dit. J'ai fait preuve de mauvaise foi. Donc,
localisation actuelle, n'est-ce pas? D'accord, je vais y arriver là, près du centre. Ok, toujours pas découvert ici, pas mal ça. Ah, je peux aller directement par là. C'est pas mal ça. Ok. Je peux sauter deux ou trois systèmes solaires, plutôt intéressant. C'est parti, on va utiliser, on va recharger. Ça me recharge. Ah ouais, mais ça me recharge qu'une fois, putain, c'est terrible. C'est terrible ce qu'on dit là. Ouais, on va refaire encore de l'antimatière. On en fait un maximum, comme ça on peut changer de galaxie calmement. Voilà. Bougez pas. Et il me manque quoi pour de l'antimatière? Il me manque du zinc. Ok, j'ai déjà une antimatière de côté, c'est plutôt intéressant, c'est incroyable. Et là, il me faut encore du tamium. Ok, on a déjà une nouvelle cellule de distorsion. On va pouvoir encore changer de système solaire dans pas trop longtemps. Ça, c'est plutôt cool. Il reste... Oh, il y a deux planètes. Il y en a une qui ressemble à la planète Mars, et une qui ressemble à la planète Mars. C'est le mec vraiment dégueulasse. Je pense qu'on va aller sur celle-ci, elle brille. Elle brille. C'est peut-être pas une bonne nouvelle qu'elle brille, hein. Ça sent un peu le nucléaire là-dedans, hein. C'est bon, ça détruit impeccable. On va aller plus sur celle-ci finalement. Allez, je suis plus inspiré par celle-ci, les mecs. On est parti, on va atterrir à fleur de peau, bien évidemment, c'est incroyable. Et une fois atterri dessus, on va pouvoir reprendre quelques ressources déjà. Apprendre à étudier la langue locale, parce que forcément, chaque système solaire a une langue locale, c'est incroyable. Et on va pouvoir aussi repartir. Tout simplement. Donc, vous l'aurez compris, petit à petit, on va réussir à atteindre le centre, le célèbre centre de l'univers. Par contre, 43 secondes, c'est quand même beaucoup. Donc, le temps que on arrive sur cette planète, on va vite fait la découvrir, après on va se stopper là. N'oubliez pas le petit j'aime, le petit commentaire qui fait plaisir. J'ai des let's play de prévu, beaucoup plus intéressants que celui-ci. Je sais que ça plaît pas à tout le monde, encore une fois, No Man's Sky, et je le conçois fortement. Donc j'ai des vrais let's play, entre guillemets, beaucoup plus intéressants qui vont débarquer, qui vont vous faire plaisir. Donc ne vous en faites pas là-dessus, tout va très très bien se passer. 12 secondes, 11 secondes maintenant. Est-ce que, par contre... Non ? Ouah, on va atterrir à fleur d'eau. Allez, allez, allez. À fleur d'oranger, on peut l'appeler aussi. Appelez-le comme vous voulez. Carburant restant, on est méga large. Vas-y, frérot. Ah, on m'a dit que... Oh, putain, merde. Attendez, parce qu'on m'avait dit que je pouvais scanner. Monolithe extraterrestre. Allez, c'est impeccable. Et il est où ? Et il est pas du tout là. Super cool, en tout cas. Un plaisir. Bon, j'irai voir le monolithe extraterrestre. En attendant... Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est soit de la pierre. Hop, on accélère un peu. Qu'est-ce que c'est? Soit de la pierre, soit une base. Ça serait pas mal que ce soit une base. Je crois plus en plus à... ça, c'est une base, ça. Hein. Ça, c'est une belle base, ça, ma petite gueule argentée. Hop, on atterrit calmement. Voilà, il y a un dépôt, il y a tout ce qu'il faut. Allez, c'est parti, vas-y. Dis-moi un petit peu sur cette planète, là. Dis-moi tout. Tempéré, ok. Faune, flore, abondant. Et faune moyen. Sympa cette planète. On s'est arrêté sur un petit truc cool. Ok, c'est découvert. Allez, ça c'est fait les mecs. On a un dépôt par ici. Et on a... Qu'est-ce que c'est? C'est une porte fermée ou pas? Est-ce que c'est une porte ouverte à toutes les portes fermées? Non? Non, ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Impeccable. Ça s'ouvre. Donc on va... Bah vous savez quoi? On va commencer directement par là. On va commencer directement par ceci. Salut frérot. Comment veux-tu? Tu as une tête bizarre. En même temps, t'es un extraterrestre. Tu dois donc avoir une tête d'extraterrestre. Dis-moi tout. C'est un allié. Ok, important. Putain, mais ils aiment bien ce mot, hein. Ils parlent le même langue. Le guerrier me regarde braisé. Hein, quoi? Je ne ressens pas de danger imminent et je m'apprête à tourner les talons et à partir quand hein, je vais lui donner. Elle fait pas le con, hein. Je prends des risques, moi. Ok, il m'offre le meilleur multi-outil pour remplacer l'ancien. Un meilleur. What damn, Daniel? J'étais pas prêt, putain. Mais je prends, il me l'offre. Attendez. C'est incroyable. 6 et 6. Bien évidemment, ça fait 12, 13, 14, 15, 16 places. Et là, on en est à 6 et 6. 12, 13, 14. 14 contre 16 places. Je prends, ma gueule. Waouh, 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 youpi, oh, youpi. Oh, il m'a gavé, ma petite gueule argentée. Tu m'as régalé. Ok, on prend ça pour farmer toujours plus vite. Toujours plus loin, plus fort, plus vite.
jusqu'au bout de l'extrême limite. Merci à toi, frérot. Oh là 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 là. Waouh. Allez, vas-y, dis-moi tout, toi aussi. Des images de sentinelles en pièces sont affichées comme des trophées. Ok. Donc, de toute évidence, ce n'est pas le même, je suppose. Je connais bien le métier. Et je dirais que c'est celui-ci. Ça a l'air de marcher. L'emplacement d'un nouveau monde sur l'écran. Signal détecté. Oh, damn, ça s'arrête plus. C'est où? Ouais. Super. Et... D'accord. Ah! Ok, des ruines. Oh, c'est intéressant, des ruines. C'est super intéressant, ça. Petite gueule. Très, très, très intéressant. On va y aller. Extraterrestre rencontré, 10. Bah, les gars, familier, bien évidemment. C'est les frérots, ça. Ça, c'est les frérots. Eux, ils jugent pas, les mecs. Vous voyez? Et ça, ça, y a rien de plus important. Ok, on a découvert des ruines. On y va, vite fait. Oh, la vache. Attendez, bougez pas. J'attends que ça se recharge. Non. Oh, il m'a l'air... Oh, bah, d'accord. Il m'a l'air de tabasser. Hein. Il m'a clairement l'air de tabasser. Ok, ici, il y a de quoi atterrir. Ma foi. Et du plutonium. On prend, pas de souci. On va au vaisseau, les gars. Direction les ruines. Et on va voir un petit peu ce qui s'y cache. Je suppose quelque chose de très intéressant, je ne sais pas. Donc, c'est parti. Pour ça, par contre, je veux bien décoller toutes les deux secondes. Alors, c'est parti. C'était quelle ruine? Je crois que c'était celle-ci. Vas-y, emmène-moi, ma petite gueule. Dans 10 secondes, on y est. On est pas mal. Oula! C'est contaminé ici ou quoi, là, les gars? En plus, c'était pas loin, hein. Ah ouais, les ruines, c'est bon. On va s'arrêter là juste après les ruines. Messieurs, cette planète, j'adore. J'adore cette planète. J'adore cette flore, ma chérie. Là, on est très, très bien, là. Ok, par contre, ça, on m'a pas prévenu. Des petits ravins comme ça, faut bien les voir. Voilà. J'aimerais bien améliorer le jackpot, ça serait pas mal, ça aussi. Vas-y, ma petite gueule, destination atteinte, mais bien sûr, pierre de savoir. J'ai appris le mot détection. C'est cool, non? Et là, il y a forcément quelque chose. C'est tout? Un peu déçu. Ah, voilà, c'était ça. Vas-y, ma gueule. Ok. L'empreinte d'une civilisation antique, d'accord, fut observée par cet étrange édifice, n'est-ce pas? Ok, demandez de l'aide. Vas-y, je veux comprendre la langue, bébé. Ok, ma connaissance est accrue. J'ai appris combien de mots? J'ai appris le mot distorsion, ça c'est important, ça. Oh, encore une... Oh là, mais ça s'arrête plus. Qu'est-ce que j'ai appris maintenant? J'ai appris le mot vulcan en vulcan, et ça c'est super important, ok? D'accord, on est pas mal, les gars. Les ruines qui m'ont gavé. Ok, les amis, on va s'arrêter là, je pense. Hop, ça, on prend du carbone. On prend, les potes. On a peur de rien. Ça, tout ce qui est plante égale carbone. On est blindé. Putain, on est bien. On est bien. On se fait des petits plaisirs fondants croquants. Eh, cellule de distorsion, ça régale. C'est Bibi qui régale. Qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut encore du tamium. Mais je l'ai, l'antimatière. Attends. Je vais m'énerver. Ah, il me faut du zinc. Très bien. Bon, il y a du fer. Ah, c'est pas super rapide, hein, mais bon. Attendez, du fer, j'en suis à combien, là, par contre? Qu'on soit clair, en fer. Ah oui, j'en ai presque plus. Ah oui, le fer, c'est important. On va prendre le fer, ça va permettre de recharger les boucliers. Je prends les deux crottes de fer, là, les gars. Et après... Oh, putain, mais ça va être super bien, ça. Vas-y, on recharge, bébé. Voilà, vas-y, encore. Ok. Sentinelle alertée. On va peut-être se calmer finalement. Ok, on prend le fer, on le transfère. C'est rien ma gueule. Je suis pas là. Elle est alertée, c'est rien ma gueule. Je suis caché. Tu m'as pas vu. Qu'est-ce que c'est? Mais qui a donc cassé ce gros rocher? Alors, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ça va aussi, dépêche-toi par contre. Oh, il m'énerve. Hein. Ok, allez, ça dégage. Ça dégage, les gars. Là, vous foutez de ma gueule. Vous m'avez fait une comédie. J'ai su patienter pour vous. Allez, voilà. On est large. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire quoi? Mais vous êtes combien, là, les potes, là? Oh, ça va aussi. Voilà, je lui ai mis dans la bouche, le bordel, là. Il sort normal. Attends, j'ai vu un gros truc tomber. Voilà, c'était ça. Débris. Un module de mes couilles, ça c'est pas mal. Ok, on prend tout ça. Et boum! On est bon là les gars.
Donc 13 000 le module, ma foi, pourquoi pas, mais je m'en bats un petit peu les couilles. Niveau fer, on est pas mal, peut-être un peu trop de fer, hein. J'ai peut-être été un petit peu américano. Ok, bon on est parti les gars, on peut se barrer. Un petit peu trop de fer, je vous avoue, c'est mon côté un petit peu rital, je sais pas ce qui m'est arrivé. Donc on va déjà recharger, hop, bougez pas, j'ai du mal apparemment, je bégaye. On va recharger ceci, très intéressant. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux refaire encore ça, c'est pas mal. D'accord, attendez, pour faire ça, ok, il me faut du zinc, c'était ça. Allez, on décolle. On décolle les amis, on va s'arrêter là, n'oubliez pas de j'aimer le commentaire et je vous fais la bise et je vous dis à très bientôt pour un nouveau système solaire encore une fois. Des bisous tout le monde, ciao ciao. Et on va aller se diriger calmement pour la prochaine vidéo là-haut, parce que j'ai envie les mecs. C'est un monolithe, je dis oui.